Dans cette rotation, les Français sont en concurrence directe avec les Allemands, dixième à l'issue des imposés, une équipe allemande emmenée par son chef de file, Andreas Wecker, grand spécialiste aux anneaux. Mais on va le voir ici, Méry à la barre fixe, l'agrès de voltige, l'agrès le plus spectaculaire pour les hommes. Gymnaste très puissant et très acrobate dans son travail. Alors bien sûr, la grande évolution, ce sont les lâchers de barre maintenant. Il en prépare probablement un ici. Et voici le Kovacs, c'est un double saut périlleux par-dessus la barre, suivi d'un autre Kovacs. Vous voyez comme quoi il peut enchaîner des difficultés très importantes. Un catch-off qui est le franchissement dorsal de la barre. Malheureusement, quelques tours intermédiaires. Engagement des jambes pour faire un tour dorsal obligatoire dans ce mouvement à la barre fixe. Et vraisemblablement la prise d'élan pour se diriger vers la sortie, qui est une sortie en double saut périlleux tendu avec une vrille dans le premier tour. On a raconté au total 3 lâchers de barre. Certes, il y en avait 2 identiques. Ça, les juges probablement en tiendront compte. Une très jolie sortie. C'est vrai qu'aux exercices libres, les Allemands semblent plus performants que les Français. 9,60 aux imposés, 9,787 au libre. Andreas Wecker est très bien placé. On devrait le revoir.